sûr qu'à Toulouse, il y a 2 semaines, c'était compliqué, on le savait. On était tombé aussi sur une énorme équipe. On sait que Toulouse, en ce moment, c'est très dur de les jouer. Là, on tombe sur un autre gros Toulon. Donc, on a surtout un enchaînement de 5 matchs là, hyper crucial pour la suite du championnat. On sait que après ces 5 matchs-là, ça va de plus en plus se dessiner devant. Donc, il faut qu'on accroche le bon wagon pour continuer à espérer et à faire une bonne saison. Donc, ça commence dès ce week-end à Toulon. Et donc, il faudra prendre des points partout. Donc, on va aller à Toulon pour faire quelque chose de bien. On a bien bossé cette semaine, je pense. Après, c'est vrai qu'on n'a pas joué la semaine dernière, mais on n'est pas non plus parti en vacances. Donc, du coup, on a pu continuer à s'entraîner et préparer ce match qui va être très dur à Toulon, qui vient de gagner au Racing. Faut pas oublier qu'ils sont allés faire une belle performance au Racing. Donc c'est à nous de tout faire pour essayer de ramener des points de là-bas, quoi. On reste sur 2 confrontations extérieures sur les 2 dernières années avec 2 matchs plutôt spectaculaires, on va dire, avec des défaites en fin de match plutôt rageantes. Donc cette année, on y va avec des intentions, avec une équipe cette année avec une meilleure ambition. Donc on essaie d'aller là-bas pour faire quelque chose. On essaie de se rattraper un peu de l'erreur qu'on a fait à Toulouse. Donc là, l'équipe est en pleine confiance. Enfin, on a une bonne confiance dans l'équipe. Je pense que la défaite contre Toulouse, ça nous a mis une bonne claque. Comme il fallait qu'on la prenne, comme tous les clubs, à un moment, il faut prendre une bonne claque pour essayer de se remettre en question et bosser sur les axes sur lesquels on est un peu en déficit. Donc ça va être un gros match, je pense, contre Toulon. Ça implique beaucoup de choses. C'est une équipe qui joue très bien, qui, comme vous le dites, est sur une dynamique de victoire et qui, en plus, pratique un rugby agréable et arrive à faire déjouer l'adversaire. Donc après, ça implique pas grand-chose de plus que surtout nos matchs de top 14 parce que il y a quand même beaucoup de pression, d'autant plus sur les déplacements. Mais on a essayé de maîtriser un peu plus notre jeu, de se concentrer sur nous. Et justement pour pouvoir résister à l'énorme pression que met cette équipe toulonnaise sur ses adversaires. C'est sûr que cette année, c'est quand même pas pareil les matchs à domicile et extérieur. C'est sûr que sans public, il y a quand même moins d'appui du public, donc c'est pas la même chose. Mais maintenant, on sait que Toulon, il roule quand même hyper bien en ce moment. On a vu leur match dernièrement, la semaine dernière, au Racing, où ils font un match hyper complet. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs à retirer de leur match. Ça fait plusieurs mois qu'ils roulent bien. On sent une équipe vachement bien structurée, avec des joueurs d'énorme qualité. Donc, c'est sûr que ça va être un déplacement hyper compliqué, donc à nous d'être très propres. C'est une équipe qui est complète, qui a l'habitude de dominer ses contacts, qui a quand même fait évoluer son jeu depuis le mois de décembre, qui tient beaucoup plus le ballon et qui met beaucoup plus de volume de jeu et qui a l'habitude de jouer dans l'avancée, que ce soit en attaque ou en défense. Donc c'est difficile pour les adversaires de à la fois mettre leur jeu, de mettre son jeu en place. Et en défense, il va falloir quand même répondre parce qu'ils ont de très belles individualités, un jeu structuré et ils s'appuient sur un pack qui est très conquérant. On s'est plutôt occupé de nous surtout. On a vu quelques points, quelques détails sur leur conquête à eux. Et on a essayé de tout faire pour avoir une bonne mêlée, une bonne touche, parce qu'on sait que c'est leur point fort et que ça va être très dur dans le combat et dans ce qui est la conquête. Donc on s'est plutôt concentré sur nous pour arriver, essayer d'arriver armé là-bas. Personnellement, je suis content de ma saison. Ça va, je marque parce que l'équipe tourne beaucoup mieux et forcément, donc, quand on est lié, si l'équipe tourne mieux en tant qu'ailier, forcément ça tourne aussi mieux pour soi-même. Mais voilà, c'est bien de marquer, mais c'est pas forcément mon but premier. Moi, je veux juste gagner des titres avec ce club. Moi qui viens de Paris, et c'est un peu mon rêve, je pense.
et ouais, redorer un peu l'image de ce club qui a été un peu terni ces dernières années. Et je pense que l'objectif de tout le monde, c'est un peu ça cette année. Les essais, on verra après.